Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1, ainsi que ma fille, et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. Moi, je leur dirais de ne pas rester isolés, de bien se faire suivre, de contacter l'association s'ils ont besoin d'écoute et de soutien, ou d'être dirigé vers des bons médecins, quand je dis bons médecins, des bons médecins qui connaissent la neurofibromatose, vers des bons centres de référents, et voilà, de ne pas rester isolé, et de ne pas prendre à la légère cette maladie, et de faire suivre très rapidement son enfant, déjà mettre des choses en place quand il y a des lourds handicaps. Comme je vous ai expliqué dans mon parcours, j'avais un bébé qui était très colérique, qui pleurait tout le temps, qui ne dormait jamais, voilà. Voilà, il y a des prises en charge qui peuvent être faites très rapidement pour aider l'enfant, voilà, pour lui redonner confiance en lui, des choses comme ça. Et donc voilà, de ne pas prendre cette maladie à la légère et de ne pas rester isolé, voilà, d'aller à l'encontre d'autres parents, même si c'est juste un certain temps. Voilà, il y a des parents qui viennent nous voir, premier diagnostic, ils nous parlent, après on n'entend plus parler d'eux, mais voilà, ils ont notre avis, notre expérience, et ils ont une oreille à leur écoute, et voilà, sans jugement aussi. Voilà. On ne leur donne pas des conseils de grand-mère pour faire dormir mieux leur bébé à tête au nord, des choses comme ça. Voilà. On leur donne, voilà. Je leur dirais de bien faire suivre leur enfant et de ne pas hésiter à appeler l'association pour être écoutée et dirigée vers les meilleurs centres qui soient possibles pour leur enfant, en fait. Elle est à côté de moi, est-ce que vous voulez qu'elle vienne à la caméra? Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui a la même maladie que toi? Je ne sais pas. Pour l'encourager ou des petits mots pour, voilà, pour l'aider? Bravo. Mais pourquoi bravo? Les deux, il est fort. Il est fort et voilà. Et parce qu'il est fort, pourquoi il est fort? Ben, il est fort de sa maladie. Il faut être plus fort que la maladie, c'est ça? Oui. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.